Good morgen, allez, idée d'année, tu seras aujourd'hui le Nishmat, Janine Rud, Bat Fortune, Mazal Fritna, Léa Chaya, Bat Mazal Tov, Lucien Batraina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous étions à Sechet Gittin, Perik Bet, Mishnah Alef. Amevi get mi medinat ayam ve amar befanai nichtav, avalo befanai nichtam. Befanai nichtam, avalo befanai nichtav. Befanai nichtav kullo, ou befanai nichtam chetsiyo. Befanai nichtav chetsiyo, ou befanai nichtam kullo. Pasoul. אחד אומר בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נחתם, פסול. שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר בפניי נחתם, פסול. ורבי יהודה מכשיר, אחד אומר בפניי נכתב, ושניים אומרים בפנינו נחתם, כאשר... דרניאר משנה, כי ופרלה דו סוג'ה דו בפניי נכתב, בפניי נחתם, כי עשה קומפלקס, הקומפרונד. עשה את אומרים כמל דו... dans les Mishnahs précédentes, de donner une certaine allure Mishnahot, mais qui est un sujet qui doit être approfondi quand on étudie la Gemara. Pour notre propos, j'insiste à vous dire, en fait, ne vous affolez pas de voir encore une fois ce sujet qui est relativement flou. Vous inquiétez pas, c'est encore une Mishnah, et puis après on a fini de voir les Mishnahs, après ça, on va passer à d'autres sujets, comment est-ce qu'on écrit un guide plus concrètement. Je rappelle l'axiome essentiel qui se passe. La nécessité de dire Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtam, et la singularité de cette halakha où il y a une chumra d'un côté et une kula d'un autre côté qui fait, qui va en fait générer toutes les halakhot particulières qu'il va y avoir dans notre Mishnah. Lorsqu'on apporte, il y a un get de Medinat Hayam, situation. Il y a maintenant une femme que. Son mari l'a quitté pour partir vivre en Amérique, il ne lui a toujours pas donné son guet, il était parti pour faire des affaires depuis. Monsieur a refait sa vie, et il la laisse ici pendant ce temps. Tant bien que mal, il a une petite pensée pour elle, de lui envoyer un guet par un intermédiaire, très noble, sympathique, comme ça au moins, elle va pouvoir ensuite refaire sa vie, elle aussi. Il veut lui envoyer un guet. Maintenant, il y a deux problèmes qui vont se poser, deux problèmes à éviter. On va dire plutôt un problème général, c'est que cette femme, elle va venir avec le guet, et qu'un jour le mari va débarquer, va nous dire, il va regretter, en fait, ou il va vouloir, comme c'est malheureusement fréquent quand les gens divorcent, que le mari, il aime bien ensuite casser les pieds à la femme, et lui faire sortir lui soulever plein de problèmes, et tout ça, en lui disant, mais moi je t'ai jamais envoyé ce guet. D'accord? C'est la problématique essentielle. Ou bien, il va nous dire, je t'ai jamais envoyé ce guet, ou j'ai envoyé un guet, mais on l'avait mal écrit, parce qu'on n'était pas... On ne savait pas qu'il fallait l'écrire l'Ishma. Il y a une halakha particulière dans le guet qui doit être écrit l'Ishma, comme ce qu'on a expliqué. De ce fait, Chachamim ont instauré que tout guet qui vient de Chutz La'aretz, s'il arrive avec un shaliach, comme il va toujours arriver avec un shaliach, avec un émissaire qui va apporter le guet, alors on impose une chumra tout de suite, que l'émissaire qui apporte le guet, ce n'est pas juste quelqu'un qui va déplacer, ce n'est pas un postier, pas du tout. Il doit être sur place au moment où le guet il est écrit et signé. Comme ça, il a vu qu'il a été fait en bonne et due forme. Et ensuite, quand il apporte le guet, il arrive et nous dit Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam qui nous raconte que devant moi, ce guet a été écrit et qu'il a été signé. C'est l'ouverture. Comme ça, ensuite, nous, on va lui dire allez, raconte-nous comment ce qu'elle a été fait et tout ça. Comme ça, on va assurer qu'elle a été fait l'Ishma. Dès qu'on a reçu le chaliach, qu'on a bien échangé avec lui, on a vu que tout a été fait comme il faut, on certifie le guet tout de suite. On le donne à la femme, elle est divorcée, et si le mari débarque, on lui met un bon coup de pied pour le renvoyer en Amérique. D'accord? Qu'il ne casse plus les pieds. On a eu un guet qui a été signé, Chachamim ont validé tout ce qui a été dit. Chachamim ont la force de faire des décrets dans les mariages, parce que comme on dit quand on marie une femme, Arat Mekou de Chatli, Kedat Moshe Ve Israël, comme ce que la religion de la Torah et de Moshe et de Dieu à Israël l'impose. Donc on donne, en fait, au moment où on déclare cette femme, cette phrase qu'on marie une femme, on donne plein pouvoir à Chachamim que s'ils veulent nous dire que dans cette situation, j'annule le mariage qu'on a fait, il est annulé, il est déraciné, rétroactivement même, depuis le début. D'accord? C'est entre parenthèses, pourquoi Chachamim ont la force de s'ingérer beaucoup dans les décrets des Gittin et des Kiddushin pour pouvoir dire, fixer eux la... mettre tout le monde de diapason selon ce que eux estiment qu'il faut faire, et après tout le monde se plie, et ils ont la force de déraciner des mariages, et voilà, d'accord? Je reviens donc sur le vif du sujet. Donc, on insiste que
D'un côté, on est machmir que le chaliar qui apporte le guet doit dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam. Ça, c'est la phrase d'ouverture que lui vient de dire. Quatre mots, on est capable de les dire. Après, comme ça, on va commencer à le questionner pour ensuite aboutir au fameux inyan du Lishma et qu'il assure que donc qu'il a bien été signé devant lui et voilà. D'accord ? Maintenant, donc une chouma qu'on lui impose de le dire, mais une super grande koula. Et là, j'insiste sur cette deuxième koula maintenant qu'on va avoir et qui va en fait générer précisément les particularités de notre Mishnah. On a aussi une koula très forte. Que, en général, imaginez que, en plus de l'ami là, de l'Amérique qui envoie un guet, il nous rapporte un shtar avec quelqu'un pour récupérer une dette de quelqu'un. Et le missaire, par exemple, imaginez le chaliar d'Amérique, il est revenu ici en Israël, il est là pour 3 semaines, il est chargé ensuite de partir récupérer de l'argent chez Réhouven, et récupérer de l'argent pour ensuite le rapporter en Amérique. C'est son coéquipier, ils ont besoin, il veut agir ainsi pour le donner. Maintenant, il va débarquer avec un shtar, que comme quoi, Réhouven, tu lui dois à l'ami d'Amérique, regarde aussi, il m'a nommé Chaliar, il te doit aussi, tu lui donnes l'argent et tout ça. Il va rapporter un shtar qui est signé. À chaque fois qu'on veut valider un shtar, il faut nécessairement 2 témoins. Moins que 2 témoins, c'est impossible, ça ne marche pas. Alpishnaim edim yakum davar. La Torah insiste qu'on fait un tout témoignage de la Torah, en général, il est avec 2 témoins. Et on a dit que pour le guet, c'est pas comme ça. Ça suffit qu'un seul témoin, s'il est le chaliar, qui nous dise la phrase magique, Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtav, on reçoit ça, on agrée, on tamponne et on truc. Donc vous voyez qu'avec le guet, il y a une chumra qui casse les pieds, que le guet, si jamais il ne dit pas Befanaï Nirtav, le guet est invalidé. Mais d'un autre côté, on a aussi une super kula, qu'un seul suffit. Pour éviter les amalgames, puisque dans le guet on va permettre avec un seul témoin, alors qu'un shtar d'argent, il faut nécessairement 2 témoins, on a peur que les gens vont confondre un petit peu, ils vont s'en mêler les pédales, ils vont dire que ça suffit un seul témoin pour valider un shtar, la preuve en est que même le guet qui est super grave, Ramim, on dit que ça suffit un seul témoin, donc même pour un shtar d'argent, ça suffit un seul témoin. Pour pouvoir différencier les 2 cas, qu'on fasse pas d'amalgame, qu'on va pas apprendre à la route de Guitine qu'un seul témoin suffit, pour les appliquer ensuite pour les dîners mamonotes, que aussi un seul témoin suffirait alors que là-bas il en faut nécessairement 2, Chachamim ont imposé qu'on dise la phrase magique Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtam. Il a été écrit devant moi, il était signé devant moi. En théorie, ça aurait suffi de dire qu'elle était signée devant moi, ou qu'elle était écrite devant moi, si jamais on va rentrer dans la marloquette de Demesiret et Khatima Karté qu'on avait évoqué une fois. Mais en tout cas, c'était pas la peine de dire Nirtav et Nirtam. Il était écrit devant moi, il était signé devant moi. C'est une insistance inutile. Ramim ont instauré cette phrase spéciale pour pouvoir donner une allure au guet, une allure différente d'un contrat classique. Ok ? C'est clair ? Et dans ce cas-là, maintenant, regardez la particularité, c'est que puisqu'on maintenant on est plié à cette formule magique, si cette formule magique, elle est mal dite, ça ne marche plus. Et c'est la galère, le guet, il est invalidé. Vous avez compris comment ça se passe? Donc je reprends. On a, pour le guet, on a une halakha, mahmira, qu'on impose de dire, on impose au témoin de témoigner, de le valider, mais pour résoudre ensuite des problèmes que le mari ne pourra plus contester le guet, même si c'est un seul témoin qui l'a validé. Et on a le grand chidouche que aussi un seul témoin suffit, le chaliar en l'occurrence, alors que dans les dîners d'argent, on ne t'impose pas de dire le fanaï nirtam, mais en tout cas, pour pouvoir faire sortir l'argent, il va falloir le valider, le shtar avec 2 témoins. Pour ne pas faire d'amalgame entre les 2, Chachamim ont instauré que tu dises une phrase magique, Befanaï Nirtam, et que tu ne dises pas juste le guet il est bon. Ça veut dire quoi le guet il est bon? Le guet il est bon, tu dois dire le mot Befanaï Nirtam. Il était écrit devant moi et signé devant moi. Et de ce fait, si tu ne dis pas la formule magique, telle que non, on te l'a imposé de dire Befanaï Nirtam, on ne va plus valider ce guet jusqu'à que tu vas le dire, ou bien jusqu'à qu'il y ait 2 témoins qui vont venir le valider pleinement, et on a toutes les données pour pouvoir commencer la Mishnah. Parce qu'en fait, on va se retrouver avec une personne qui va mal dire la phrase. Parce qu'il ne peut pas dire la phrase. Amevi get mi medina tayam. Quelqu'un qui apporte un get de l'étranger. Ve'amar befanaï nirtav. Avallo befanaï nirtav. Il dit, le get, il a été écrit devant moi, mais au moment de la signature, je suis vite parti, je devais partir. Enfin, mincha, quand je suis venu, il avait déjà signé. Oh, donc tu n'as pas vu qu'il a été signé devant toi. Ou encore. Befanaï nirtav, avallo befanaï nirtav.
Il a été signé devant moi, mais il n'a pas été écrit devant moi. Mais c'est mon copain qui l'a vu. Choum Navar, ça marche pas. Tu dois dire comme toi, tu dois voir l'écriture et la signature. Et même pire que ça, Befanaï Nirtav Kullo. Devant moi, il a été écrit entièrement. Befanaï Nirtav Khetsio. Et devant moi, il a été signé à moitié. J'ai vu la première signature, mais après, j'ai dû partir très rapidement. Il y avait une urgence. Et quand je suis revenu, le gars, il était déjà signé. Tout ça. Ou encore, Befanaï Nirtav Khetsio. Devant moi, il a été écrit la moitié. J'insiste, la deuxième moitié. Je vous expliquerai peut-être la raison. On verra ensuite. Ou Befanaï. Donc, moi, j'ai pas vu le début quand ils ont commencé à écrire, mais j'ai vu la fin. Que, quand je suis arrivé, ils étaient en train d'écrire l'Ishma. Ils ont fait signer les témoins l'Ishma. Donc, en tout cas, il a plus dit qu'il a été écrit devant lui comme il se doit. Et bien, dans toutes ces situations-là, pas sous le guet, il est invalidé. Parce que le guet, pour qu'il soit validé, il faut que tu dises la bonne phrase, qu'elle était écrite comme il faut, devant toi, et signée devant toi entièrement. Entièrement, je le précise. C'est pas la peine de voir. Alors là, c'est le Barthénor qui va nous expliquer. C'est pas la peine de voir toute l'écriture de chaque petite lettre. Ça suffit que tu sais qu'ils sont en train d'écrire un guet là-bas, tu les vois de loin. T'entends même mieux que ça, l'Agma nous dit, j'entends la plume qui gratte le papier, ça suffit aussi. Mais il faut être présent. D'accord? Et même mieux que ça, si jamais je vois le début du guet, ou quand on écrit le début du guet, la première partie du guet, c'est l'Agma qui précise, quand on écrit la première partie du guet, on a déjà écrit le nom du mari, le nom de la femme, et que c'est un guet. Après, on écrit toutes sortes de choses dans tout le guet, parce qu'il y a plein de choses à préciser. Mais en tout cas, dès qu'on a eu l'essentiel du guet, ça signifie le nom de monsieur et madame, et le contenu, c'est un guet avec lequel il va la divorcer, même si après, il va faire un tour, il revient, ils sont encore en train d'écrire, c'est pas grave. D'accord? Puisqu'il a vu le début. Mais par contre, s'il n'a pas vu le début, mais il voit que la fin, ça suffit plus, il faut dire, fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, c'est de nouveau le même principe, avec à présent, on va parler de deux envoyés, deux personnes qui vont venir d'Amérique, sauf que cette fois-ci, il n'y en a qu'un seul qui est Shaliyar. Deux ou trois personnes. Alors regardez, les cas, c'est très simple. Echad Omer Befanaï Nirtav. Le shtar arrive, et on a le shaliach qui va me dire, devant moi il a été écrit, et l'autre il me dit, mais l'autre il n'est plus le shaliach, mais il me dit, ouais, devant moi il a été signé. Donc on a une personne qui dit Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtav. De nouveau, c'est pas bon. Ça doit être la même personne qui témoigne. Sinon, il faudrait peut-être deux témoins que le shtar a été fait comme il se doit. Ça, on verra tout de suite après, peut-être. Mais en tout cas, pour le moment, si c'est un témoin et un chaliach, mais on n'a pas un chaliach qui est capable de dire la phrase magique Befanaï Nirtav, Chachamim ont cru, ont donné ce pouvoir à un seul témoin de valider, qu'à condition que c'est le témoin qui est lui-même l'envoyé. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui apporte un guet, et moi je suis à côté, je dis, bon lui il sait rien, mais moi je sais, moi j'ai vu que Befanaï Nirtav, mais moi je ne suis pas l'envoyé, Chachamim n'ont pas donné ce crédit à un seul témoin. Il faut nécessairement deux témoins dans ce cas-là. Vous avez compris, c'est le principe. Il y en a un qui dit Befanaï Nirtav et l'autre qui me dit Befanaï Nirtav. D'accord? Ou encore, il n'y en a qu'un seul qui est Chaliach. Parce que si on est tous les deux Chaliach, alors si on est tous les deux Chaliach, là, Albert Honor va nous préciser que si on est tous les deux Chaliach et que moi j'ai vu le début et lui il a vu la fin, là ça marche parce qu'on est tous les deux, on est envoyés pour transmettre le guet. Un Chaliach, attention, on aura l'occasion d'en parler plus longuement. Un Chaliach, c'est pas juste un postier, c'est quelqu'un qui a été nommé précisément pour aller faire sa seconde divorcer la femme. Et on aura l'occasion de voir, parce qu'en théorie, c'est le mari qui doit divorcer la femme, il peut envoyer un chaliach, mais il faut qu'il ait un statut de chaliach. Mais si c'est un étranger qui est très impliqué dans leur shalom bayit et leur divorce et tout ça, mais qu'il n'a pas été nommé chaliach pour transmettre, il ne pourra pas transmettre le guet. Si l'autre, après, il meurt et l'autre le deuxième, il veut prendre le guet et le donner à la femme, ça ne marchera pas parce que tu n'es pas chaliach. Tu dois être nommé chaliach de te transmettre le plein pouvoir, comme quand on écrit à un avocat, on lui donne plein pouvoir pour agir pour nous. Une dérogation. Là, c'est la même chose, c'est le chaliach, on lui donne une sorte de dérogation pour qu'il puisse divorcer la femme. Là, on parle donc, il y en a un qui est réellement chaliach et l'autre qui n'est pas chaliach. L'autre qui n'est pas chaliach, ça ne marche pas quand il parle à la place de l'autre. Et aussi, de même, aussi pour Shnaim Omrim Befanaï Nirtav, il y a deux personnes qui nous disent, oui, nous sommes les témoins, on a vu qu'elle est écrite dans nous, mais on n'a pas vu la signature. Ve Echad Omer Befanaï Nirtav, et l'autre, il nous dit, ouais, mais en tout cas, et là, on a un troisième qui est un étranger cette fois-ci, donc qui n'est pas chaliach, et qui nous dit, Befanaï Nirtav, pas saoul, le shtar, il est invalidé. Ok, ben, c'est logique, même si cette fois-ci, ça devient plus fort, parce qu'on a déjà deux témoins. On a déjà deux témoins qui nous disent qu'il a été écrit, mais qui ne témoignent pas sur la signature. Et sur ça, on a Rabbi Yehuda Marchir. Rabbi Yehuda, il va permettre le shtar.
C'est assez complexe pour comprendre Rabbi Yehuda, mais le principe de Rabbi Yehuda, il est fondé sur le fait que n'importe quel shtar, dès que tu as deux témoins qui témoignent sur l'écriture du shtar, ça fonctionne, donc il n'y a plus d'amalgame en fait. Ce qui veut nous dire Rabbi Yehuda, c'est que, comme je vous ai introduit, une des raisons pour lesquelles on complique l'histoire, de dire spécialement la formule magique, c'est à cause des amalgames avec un autre shtar. Or, lorsque tu auras un amalgame avec. Tu feras pas d'amalgame avec un autre shtar lorsque tu as deux témoins qui témoignent qu'elle a été écrite. Parce que si tu as deux témoins aussi sur l'écriture d'un shtar classique, ça marche. Ok? Et on arrive maintenant tout de suite à la fin de la Mishnah. C'est un peu plus compliqué pour comprendre Rabbi Yehuda, mais je ne peux pas tirer trop le chiour. Et voilà. Et dernière phrase maintenant, dernière situation, c'est Echad Omer Befanai Nirtam. Un qui vient qui nous dit, devant moi il a été écrit. Mais on ne sait pas. Et lui, c'est le témoin. Et lui, c'est le shaliach. Ou Shnaïm et deux personnes étrangères nous disent Befaneinu Nirtam, et qui disent que devant nous il a été signé. Alors là, selon tous les avis, le shtar est kasher, pour l'excellente raison que cette fois-ci, il y a deux témoins qui viennent qui disent que le shtar était signé en bonne et due forme, même si on ne sait même pas comment il a été écrit, la signature c'est ce qui valide tout, et même s'ils ne sont pas témoins, parce qu'on a finalement, même s'ils ne sont pas shaliach, ils sont juste témoins. Il n'y a rien de mieux qu'avoir deux témoins qui vont nous témoigner sur un shtar. Il n'y a aucun amalgame à faire. C'est ce qu'il y a de mieux pour valider un shtar qui a été écrit en bonne et due forme, c'est d'avoir deux témoins qui nous affirment ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout. C'est là.